Eh bien, chers amis, bonjour et bienvenue à chacun, chacune d'entre vous ce matin. Nous sommes en enregistrement aujourd'hui, nous ne sommes pas en direct. Vous pouvez toutefois amener vos commentaires sur les deux plateformes du Centre Média Adventiste, YouTube comme Facebook. Et voilà, c'est juste pour le téléphone, personne ne sera au téléphone aujourd'hui, au standard aujourd'hui. Donc, rappelez-vous que c'est un enregistrement. Eh bien, je voudrais donc remercier Mauna d'être là à nouveau aujourd'hui pour cet enregistrement. Et donc, que le Seigneur t'accompagne et te bénisse dans ce ministère, magnifique ministère des multimédias, hein, pas juste des médias, des multimédias, parce qu'on touche à l'audio, on touche à la photo, on touche à la vidéo, on touche à plein de domaines en tous les cas. Eh bien, nous faisons aussi des montages. Eh bien, voilà, hein, nous voulons remercier le Seigneur pour ce ministère ici en Polynésie française de la radio et du média. Nous avons aussi notre pasteur Herhia qui est là avec nous et nous voulons te remercier, pasteur Herhia, d'être là. Merci d'être là pour notre enregistrement de ce matin. Et voilà, que la gloire soit rendue à l'Éternel et que tu puisses, avec tes apports en tous les cas aujourd'hui, nous puissions être bénis et que toi aussi tu puisses être béni au travers des apports que tu nous apportes, que tu nous donneras aujourd'hui. Merci beaucoup, pasteur Herhia. Merci beaucoup, Georges. Bienvenue aussi à toi ce matin. Bienvenue aussi à Mauna, qui a la technique. Merci beaucoup pour votre ministère également. Que Dieu bénisse également votre ministère. Et surtout, bienvenue à vous qui nous suivez encore une fois ce matin. Que Dieu puisse vous bénir abondamment. Et comme tous les matins, j'ai confiance que Dieu nous bénira à travers l'étude de sa parole. Merci beaucoup, pasteur Herhia, d'être là avec nous. Eh bien, avant d'ouvrir la parole de Dieu, j'aimerais que nous puissions, là où nous sommes, prendre un moment de pause, en tous les cas, pour pouvoir prier. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce temps béni que tu nous as donné afin de pouvoir nous adresser à toi. Merci Seigneur parce que ta parole est la vérité et nous voulons, Seigneur, te découvrir, toi, la vérité au travers de ta parole, afin que nous puissions nous aussi suivre ton exemple. Seigneur, accorde-nous ton Esprit Saint afin qu'il puisse nous diriger dans l'étude de ta parole, la découverte de ta parole et que tu puisses te révéler à chacun d'entre nous, où que nous soyons. C'est en Jésus que nous t'en prions. Amen. Eh bien voilà, pasteur, hein, je vais peut-être te rappeler juste le titre de cette semaine, hein, les racines de l'agitation, et aujourd'hui particulièrement, nous allons parler donc de l'ambition. Alors, le titre c'est ambition, mais moi j'ai mis ambition en deux couleurs, ambition en vert et ambition en rouge. Alors ambition ou ambition? Donc voilà, hein, de quelle ambition parle-t-on? Parce qu'on peut aspirer à de belles choses, mais on peut aussi aspirer à de très mauvaises et vilaines choses. Hein. Voilà, donc quelle ambition, vers quoi notre cœur aspire-t-il et quelles sont nos ambitions, hein, voilà. Donc, mais avant, j'aimerais demander à notre pasteur Herhia de bien vouloir nous faire un résumé de ce que nous avons vu hier. Et je te remercie beaucoup, pasteur Herhia, donc sur l'égoïsme. Merci. Merci beaucoup, Georges. Alors, hier, nous avons vu, voilà, comme tout au long de cette semaine, nous voyons les racines de l'inquiétude. Voilà, il y a, comme au tout début de la semaine, nous avons vu l'exemple de cet arbre, que nous voyons, qui est visible à l'œil. Et que, voilà, il y a quelque chose quand même d'invisible. Ce sont les racines. Comment est-ce que, voilà, ils partent vraiment sur des mètres ou sur des kilomètres, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose d'invisible. Et cette semaine, nous allons voir justement des choses invisibles, comme la leçon le dit, les racines de l'inquiétude. Et bien, une des racines que nous avons discuté, que nous avons partagé hier, je pense que c'est une grosse racine. Hein? C'est une grosse racine de cette inquiétude, de ces troubles, qui est l'égoïsme. L'égoïsme, nous avons vu que c'est mauvais dans le sens où, voilà, où il y a le jeu, il y a le moi, où,
où il y a beaucoup de choses qui seront impactées par rapport à cet état d'être que je serai. Donc, si je suis quelqu'un, enfin, déjà, par rapport au mot grec, lorsqu'on traduit je, eh ben, c'est ego. C'est ego. Donc, l'ego, c'est vraiment d'être centré, que tout soit centré, eh ben, sur moi. Je suis, voilà, on peut parler d'égoïsme, on peut aussi parler d'égocentrisme. Voilà, tout cela, lorsqu'on parle d'ego, enfin, personnellement, hein, lorsque j'entends à chaque fois le mot ego, pour moi, c'est toujours quelque chose de négatif. Pourquoi? Parce que je ne vais penser qu'à moi-même, je ne vais pas penser aux autres. Et en ne pensant qu'à moi-même, eh ben, ça me cause des troubles, ça me permet également d'être troublé, d'être inquiet à chaque fois que je suis égoïste. Et lorsqu'on parle d'égoïsme, c'est vraiment de penser qu'à soi-même, de ne vraiment pas pouvoir voilà, donner pour d'autres personnes. Et nous avons étudié le texte qui se trouvait dans Luc au chapitre 12 et le verset 13, hein, verset 13 à 21, lorsque Jésus va se mettre avec la foule. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, j'aimerais lire le verset 13, hein, que nous avons lu hier. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Donc voilà, il y a déjà dans ce verset, nous voyons qu'il y a un frère qui veut s'approprier toute chose et qui ne veut pas le partager. Donc est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est bon? Bon, je pense personnellement, et ce que nous avons étudié hier, je pense que l'égoïsme, c'est quelque chose qui fait mal à moi personnellement et à mon entourage également. Donc, si nous avons vu avant-hier que Jésus, eh bien, apporte la paix, eh bien, à travers cela, lorsque nous avons Jésus, eh bien, il y aura le partage. Si nous avons Jésus dans notre vie, il y aura le partage, il y aura l'amour envers notre prochain. Et l'égoïsme, le je, le moi-je, il n'y aura plus du tout ça. Il était tout à papa à ta tatouille à prohoné à nanéné, t'es proie à noter vau, hein, t'as vau, on est là, t'es hin aror à y tape et à main na ouan, na ouan, t'es né tout à papa, mais t'as tout à ruta, et t'es né à hurma piti, mais il va hurma tour, et t'as tout il va piti à hurma houé, et y a t'es yo, mais t'as tout t'es il va, t'es et t'es l'auto y tout, t'es ata. Et fatata me yeti te ya ne ata tauria et te paru atu ya yetu to fatu a paru na o to ta et to tuane ya opere te po fofu ato te te ora ta to to riro to no te iro te paru no te vau rei tra vau tra hia ai to te tap er a no un e ereror a te Te nahia pro te opere anu i tempura. No to uane a tatupu, no to uane to utua whare. Tēnei o tua tapapa me tātou, ia o tātou to te ie whanau a, e tupu mai hoa a ripurepur a, e tupu mai hoa te whiwhi i roto i te urar a. Poroa, me reiro ti o rānen he tātou e ho oi te pepe, trara, e ho oi a tātou i tāpea mai tei. Me te peue, iau ta tātou a parau ai te Pep e moni reira, tata tō tua tapa pahonei, te puta no mata iau te pene hoi ahuru. Tēnā ora te parona te atua e, me te peu, e tu o ia ietu, o ia e, te parehit a mata mua tō tō ora a, e orero te e maumea, e orero te e maumea. E haia te e ome te here, e ome te opere a, e o te ome te tap e ap e a tō tātou mwhiru a, no te teipa, e o pouro me te e maumea. Tēri i tātou, e hipa tātou i aprohone, i anana i atu tātou tua tapapara. Ma, Maruru. maruru, maruru mai te oru mai tua no te i haptora ana na tātou, no ananheira, te tumu prone no nanheira. Donc voilà, merci beaucoup, Pasteur, pour le résumé que tu nous donnes des idées que nous avons vues hier. Alors, aujourd'hui, nous avons donc ce mot ambition, hein. Alors, je vous disais tantôt, alors c'est ambition vert ou ambition rouge, hein? Attention donc dans quel sens nous allons. Alors le texte de base, donc ça n'a pas changé pour nous, se trouve dans Jacques chapitre 3 verset 16 qui nous dit « Car là où il y a passion jalouse ou bien zèle amer,
Et ambition personnelle ou bien esprit de dispute, eh bien, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. Donc voilà notre texte, en tous les cas, pour cette semaine, hein. Alors, est-ce que, pasteur, tu peux nous donner une ou des définitions de ce mot ambition? Alors, d'autres auraient dit hi ai anei, alors là, hi ai tout ore. Voilà, je ne sais pas trop comment expliquer ce mot-là, hein, mais voilà. Marou mette orou mette. Merci beaucoup. J'aime bien l'illustration, mon frère Georges, que tu donnes. Ambition en vert et ambition en rouge. Donc, est-ce qu'il y a des ambitions vertes? Est-ce qu'il y a des ambitions rouges? Lorsqu'on parle d'ambition, d'abord, d'après le dictionnaire, hein, c'est un désir ardent. Un désir ardent d'obtenir les biens qui peuvent flatter l'amour propre. Waouh, la définition, elle est déjà claire. Hein? Elle nous mène déjà vers quelle ambition, vert ou rouge. Hein? Voilà. Donc, ouais, je vais répéter. Hein? C'est un désir ardent d'obtenir les biens qui peuvent flatter l'amour propre. Waouh, ça fait parler. C'est clair et net. Hein? C'est clair et net. Hein? C'est clair et net. Donc, je pense qu'on va plus se pencher sur cette ambition en rouge par rapport à la définition qui nous a été donnée. En tout cas, le mot ambition, voilà, comme le dictionnaire le dit, c'est vraiment plus qu'un désir. Hein. C'est vraiment proche, je vais dire proche de l'idolâtrie. On va dire ça comme ça. On va être plus proche de l'idolâtrie. Et en plus, c'est pourquoi faire. Tous ces désirs-là, c'est pourquoi faire. Ben, d'après ce que le dictionnaire dit, ben, c'est pour m'élever moi-même. C'est pour m'élever moi-même. J'aime bien la version que tu as utilisée dans Jacques chapitre 13 verset 16. Hein. La version que tu as utilisée, en effet, là où il y a passion jalouse et ambition personnelle, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. Donc, je pense que, voilà, par rapport à ta première question, le mot ambition, c'est un désir ardent, voire même proche de l'idolâtrie, je vais dire ça comme ça. Et qui mène justement, pourquoi faire ça? Il y a un but, c'est pour élever l'amour propre. C'est pour élever ce qu'on a vu hier. Ce qu'on a vu hier, il y a l'ego, l'égoïsme, il y a l'égocentrisme, où il y a ego. En tout cas, ça va élever le moi-je. Donc, lorsqu'on parle d'ambition. Ça, t'étais Georges, il y a. Tes paroles ont été hiai tuwe, hein? Hiai tutu ore, mita ue hoif ahiti hone, hein? Tra hiai tutu hone. Tere te fahiti ra ue nato tere ufaran te veira pei, ta ue reini hora te veira tra hiai e reini hia te u matie, e te veit ora te hiai reini hia i te u erea. Tenei, e ui a tau te veira ane te hiai meitei ora hiai ino, hein? Tenei iau. Yao tate mo puta a o te fau a o te mo ta o tena ora te ye man o te hia ai tutu ora te hia ai puai mo wa te hin aro tutawa te hin aro te yo ya tutawa te te me no te ha no a han hana ya uno eso te tate puta era ven e prune te hia ai ne yo te te ohipa. Te hia ai ne te au, ya te ane te te whaito, no te ha. No te whaahanahana no ia. No te whaateitei no ia. Te e Jojo, a proho ne tato i anan hei nei, te parau no te vau. Vau hei. Oh, yeah. Ho ea hoa ia, nehe parau tāua proho ea tumu, raua. Oh, yeah. Parau nehe parau no te hia ai, ore rā no te hia ai tūtu ore, e ot o me te parau no te vau. I roto i te ietao. Te wira ta uiwi honei, te veira anei te te hia ai meitei, ora te te hia ai ino. Iaura te aura ai horo ahia mai. Te tūrei to tāo mana aniso te te rahia ai reini hia e oe, nā to te ie ur erea. Tenei te te hia ai, o te wha hanahana rei a tātou. Tāripa ia te te mau manaono, to e omuara ta tāo paraparau ai te pepe.
Alors, je suis désolé que le dictionnaire ait orienté donc ce mot ambition vers tout ce qui est rouge, tout ce qui est noir. Hein. Donc voilà. Par exemple, quand dans notre vie, hein, nous avons besoin d'objectifs, nous avons besoin d'être un petit peu ambitieux dans nos objectifs parce que notre Dieu, il est grand. On ne va pas demander 10 alors que Dieu peut donner 100. Donc voilà. Hein. Est-ce que c'est un péché d'être ambitieux, que ce soit dans nos églises, que ce soit dans notre travail, que ce soit à l'école, quel que soit le domaine, est-ce que c'est un péché d'être ambitieux? Et à quel moment, et si, alors si c'est un péché, pourquoi? Et si ce n'est pas un péché, à quel moment ça pourrait basculer? Donc cette ambition, voilà, hein, je reviens encore à mon idée où l'ambition, on peut-être avoir une ambition saine. Hein, pas sainte, hein, saine, et on peut aussi avoir des ambitions un petit peu tordues. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, Georges. Merci beaucoup, Georges. Hein, comme tu le disais, le dictionnaire tend plus vers cette ambition en rouge, hein, en noir. Ta question est-ce un péché d'être Voilà. ambitieux? Je pense que dans ta question, il faut comprendre déjà ce qu'est le péché. Hein. On l'a souvent répété que le péché, pour faire simple, le péché, c'est ce qui va au contraire de la volonté de Dieu. En gros, c'est ce qui va me couper de cette relation avec Dieu. Donc, être ambitieux, c'est quelque chose de bien non plus, n'est-ce pas, Georges? Je peux tendre à être, je suis ambitieux, par exemple, voilà, dans mes études ou dans mon travail, je suis tellement ambitieux que je veux arriver. Est-ce que c'est un péché? C'est un péché, mon frère Georges, dans le sens où, voilà, je vais oublier qui? Dans toutes mes démarches, même dans mon ambition, dans toutes mes démarches, qui est-ce que je vais oublier? Je vais oublier Dieu. Et est-ce que dans ce que je vais faire pour le glorifier, lui? On a vu quelques leçons précédentes, quelques écoles du sabbat précédentes, dont Ézéchiel, où un ange a été très, très ambitieux. Tout à Un fait. ange a été très, très ambitieux. À quel point? Au point non pas d'être égal à Dieu, mais d'être supérieur à Dieu. Ça, est-ce que c'est de l'ambition? Oui, c'est de l'ambition. Mais est-ce que c'est de la bonne ambition ou c'est de la mauvaise ambition? Moi, je pense que l'ambition est un péché au moment où j'oublie que Dieu doit être dans mes projets. Lorsqu'on parle de cet ange que l'on connaît tous, Lucifer. Un ange parfait que Dieu a créé, qui était, voilà, qui mettait le sceau de Dieu La à l'excellence. perfection. Donc, voilà. Est-ce que cette ambition qu'il a eue, il y avait Dieu dans son plan? Et justement, non. Et c'est là que vient le mot péché. Je pense, pour moi, hein? En tout cas, voilà. Pour moi, le mot péché, c'est quelque chose qui va vraiment aller au contraire de la volonté de Dieu. Est-ce que ce que je vais faire, cette ambition, ce désir de vouloir être à ce poste-là, est-ce que ça sera pour élever Dieu? Est-ce que ça sera pour élever moi? Est-ce que ça sera pour élever l'égoïsme? Est-ce que voilà, il y a beaucoup de choses. Donc, l'ambition, elle peut être bonne, comme elle peut être nuisible à l'être humain. En tout cas, pour moi, personnellement, je pense que chacun d'entre nous avons été ambitieux. À un moment donné de notre vie, je ne sais pas, peut-être surtout dans les études. Je vais prendre mon exemple, mon frère Georges. Quand j'étais à l'école, depuis le primaire jusqu'au lycée, avant d'entrer dans la vie active, j'étais très, très ambitieux. Dans quel sens? Dans le sens où je voulais toujours être premier de la classe. Toujours être premier de la classe. Mais pourquoi faire? C'est juste pour montrer aux gens que j'étais beaucoup plus intelligent qu'eux. Est-ce une bonne ambition? À l'époque, je me disais, ah oui, ça c'est une bonne ambition. En tout cas, papa et maman vont être contents. Mais je réalise aujourd'hui que ce n'était pas une bonne ambition. Et toutefois, cette ambition-là m'a mené à élever Dieu lui-même. Je pense que ce serait été une bonne ambition. Et maintenant,
Il y a la vie où j'ai, voilà, de mon écolage, tout ça, jusqu'au lycée. Ensuite, je suis arrivé en vie active. Je vais dire environ 10 ans. Et après 10 ans, je suis retourné sur les bancs de l'école, à Fidji. Et là, j'ai été encore ambitieux, dans le sens où je voulais toujours être premier de la classe. Mais dans mes prières, cette fois-ci, ce qui a changé dans mes prières, j'ai dit, Seigneur, si telle est ta volonté que je sois premier de la classe, que toi seul sois élevé premièrement. Il y a un changement, il y a un changement. Est-ce un péché? Voilà, il y a beaucoup de points qu'il faut voir, mais je dis que si c'est un péché, si l'ambition devient un péché dans notre vie, eh ben c'est le fait que j'ai oublié Dieu dans ma vie, j'ai oublié de le mettre dans mes projets. Voilà, Seigneur, je veux être directeur de banque, mais c'est pour quoi faire? Est-ce que c'est pour m'élever moi ou est-ce que c'est pour le glorifier lui? Est-ce que c'est pour utiliser, par exemple, arriver à ce poste-là, eh ben, je pourrais facilement partager la parole de Dieu. Parce que lorsque tu es petit employé, tu ne peux pas parler de n'importe quoi. Mais lorsque tu es directeur de banque, par exemple, tu peux quand même chuchoter des petits mots à tes personnes. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, est-ce un péché? Donc, nous voyons qu'ici, voilà, par rapport au vert et au rouge, nous sommes au milieu. Mais qu'est-ce qui va faire que la balance va basculer d'un côté et de l'autre? C'est de voir qui est-ce qu'on met dans nos projets. Est-ce que je mets Dieu? Est-ce que je mets Jésus? Donc j'aimerais introduire le passage de ce matin. Mon frère Georges, hein, Oui, avant de vas-y. passer en Tahitien, qui se trouve dans Luc 22, hein, nous savons tous ce passage, verset 14, verset 30, au moment de la Pâque. Et Jésus sera, voilà, sera tellement heureux de partager cette Pâque avec ses disciples qui seront dans une salle. Et à un moment donné, tellement, voilà, tellement, les disciples, ils ont été ambitieux, en tout cas certains. Ils étaient ambitieux, ils vont demander à Jésus. Ils vont demander à Jésus, en tout cas, au verset 20, 29. 24 aussi, oui. Et 29, attends, Luc 22, Luc chapitre 22, et le verset 24. 24. Il se leva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Voilà, ambition. Seigneur Jésus, ben, parmi nous, qui est le plus grand? Ah, c'est ambitieux. C'est ambitieux. Mais est-ce que, voilà, la balance, il y a l'ambitieux, comme tu disais, ambition en vert et ambition en rouge. La balance va faire pencher d'un côté et de l'autre au moment où nous laissons Jésus agir dans nos projets et même au moment où nous ne voulons pas. D'ailleurs, ici dans le verset 24, nous voyons très bien la pensée des disciples. Que la pensée des disciples, c'était pour élever ben, le moi ou voilà, ou leur ego en tout cas. Et ha. Aura été te puta, hein? Aura été puta, te hia ait ou ore a, te hin aror a été te hupa not fate te yatato, not fate te no travaurei. Tenei, te vait ora te te mo hia ai, metanot o, te vait ora te mo hia ait ou ore, e eret ot metano. Et proye ou te ajoj, te teime etanoe, te teime aite tano, et t'aimer où est où il y a tout tout t'aimer au pouvoir atteint. Or là il autre année t'aimer tahit atteint et hinaro. Et t'aimer là et tout où il y a il y a tout il autre t'aimer tahit a et riro il y a t'aimer ehar et riro il t'aimer ehar et oui peut t'avoir t'aimer Georges t'aimer t'aimer oui ah oui hiana ou tatato ou tatmo orumi tuat ou i tatarat omai te paroyo no t'har ehat t'har. Tara o fati e te ture, o fati ai e te ture. O rera tara, te aror ai e tātou, te hin aro te atua. O rera tara, te orer ai e tātou, te hin aro te atua i ruto i tō tātou rara. O tō tapapaho nei tātou i te mō ni reira, mahana mātā mua, e tō tātou tua tapapara. I te teime, a waiho e tātou i ali etu, i ruto i tō tātou rara, e me te e te mō mea, e tāme tau tō tātou rara.
Trara, mi te pewe aro noa ya tato, e wehio tato ya ye tu chiti, e teme ya tara hia ai, i te pe au ino, pe au ino. Tari pe ya te te mau, mo hapoto potoro anato tu tau reo, ya o te poporo i whahiti hi anato te lo frani. Marurume te jos. Marurume te urumetua. Alors nous allons sur un texte que tu as cité d'ailleurs, pasteur, dans Matthieu, Luc, chapitre 22, verset 24, où les disciples et Jésus, donc Jésus va instituer la scène, hein, la sainte scène, et juste avant la crucifixion, il me semble, oui, c'est le jeudi soir, et donc pendant cet événement solennel, hein, c'est là peut-être des éléments les plus solennels, hein, d'ailleurs tous les événements où Dieu est invoqué, Jésus est invoqué, eh bien c'est solennel parce que c'est la présence de Jésus, hein, qui rend ce temps et ce lieu-là solennel. Hein. Alors, les disciples, pendant ce temps où ils sont en train de s'attabler, ils sont en train de se poser la question, ils sont en train même de se chamailler pour savoir qui allait être le plus grand. Et qui est le plus grand et qui allait être le plus grand dans le royaume de Jésus. Hein. Donc, voilà, ces ambitions néfastes, en tous les cas. Pasteur, merci de nous en avoir parlé. Hein. Est-ce que. Donc, ce pasteur disait tout à l'heure que les ambitions donc, qu'il avait pour ses études, il est bon d'avoir de très grandes ambitions, pour ceux en tous les cas qui le peuvent, hein, d'avoir de très bonnes ambitions, mais deux choses à retenir, que ces projets en tous les cas soient agréés par Dieu et que ces projets-là, c'est pas pour écraser l'autre, hein, donc pour m'élever moi et écraser l'autre. Hein. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'universités en tous les cas, je ne vois pas. Ça commence au collège où on apprend à nos enfants à travailler en groupe parce qu'en fait, jusque-là, on va apprendre à nos enfants à percer pour qu'ils soient les meilleurs dans la vie active. Bien aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'est en groupe qu'on réussit parce que c'est en groupe qu'on va travailler dans les entreprises. Et donc, aujourd'hui, l'ambition pour écraser l'autre, eh bien, existe toujours. Mais elle est déviée un petit peu, voilà, ces ambitions-là pour écraser l'autre. Alors, quels étaient les sentiments, les émotions qu'il y avait parmi les disciples à ce moment-là, pasteur? Et, à contrario, quels étaient aussi les sentiments qui animaient Jésus à ce moment-là? Merci beaucoup, et les émotions que Jésus avait à ce moment-là. Merci beaucoup, pasteur Rehia. Merci beaucoup. Lorsque nous lisons le contexte, en tout cas le contexte de notre passage qui se trouve dans Luc au chapitre 22, nous lisons le contexte où vraiment Jésus arrive à la fin de son ministère. C'est jeudi soir, il y a la Sainte Cène, et après cela, il y aura le jardin de Gethsémané. Il sera conduit vers en condamnation, il sera condamné et après le vendredi dans... Déjà dans la matinée, il sera déjà à la croix, et jusqu'à l'après-midi où il donnera son dernier souffle, et il reposera pour un petit moment dans la tombe. Donc nous voyons qu'ici, nous sommes arrivés à la fin du ministère de Jésus, en tout cas avec ses disciples-là, pour ce moment-là. Et ici, nous voyons que aussi, hein, lorsqu'on parle de contexte, les disciples, lorsque Jésus va choisir ses disciples, il les a choisis, l'est effilé. Donc, ce sont des pêcheurs. Il y a aussi un secrétaire, un collecteur d'impôts. Il y a aussi, c'est vraiment dans un groupe, voilà, comme tu disais, dans un groupe, vraiment dans un groupe où il y a différentes personnalités, où il y a différentes façons de voir les choses. Il y a différentes façons de comprendre également les choses. Donc, tout au long de ce passage-là, nous voyons également que, en tout cas dans Marc et dans Matthieu, toujours dans le même contexte, à la Sainte Cène, à la Pâque, à la fête de Pâques,
toujours à ce moment-là. Nous voyons que, voilà, un disciple va s'allonger sur Jésus. Donc, des pensées, des sentiments qui vraiment va poser beaucoup de problèmes parmi ces 12 personnes, ces 12 disciples. Des émotions peut-être de jalousie, peut-être de, je ne sais pas, ou des questionnements vont se poser. Et pourquoi Jésus permet-il à Jean de s'endormir sur son sein? Donc voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut, en tout cas, penser à ce qui se passe dans ce contexte-là. Voire même, à un moment donné, voilà, à la Pâque, qui se... Non, il y a même, si je ne me trompe pas, à un moment donné, il y a des disciples qui vont dire, Jésus, lorsque tu reviendras, maître, lorsque tu reviendras, qui sera à ta droite, qui sera à ta gauche? Voilà. Donc, il y a déjà eu quelque chose, voilà, une émotion, un esprit de rivalité peut-être, ou un esprit de, voilà, de vouloir, voilà, d'être ambitieux, de vouloir, voilà, c'est moi le premier, c'est moi qui vais, que Jésus a choisi. Mais non, admettons, admettons. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu. Ça, c'est Pasteur qui le dit ce matin. Admettons. Jean, lui, il aime bien. Hein, comment est-ce qu'on appelle Jean, nous? On Disciple l'appelle, ouais, le bien-aimé. disciple bien-aimé de Jésus. Waouh, première question. Et qu'en est-il des 11 autres? C'est ça. Est-ce que Jésus ne les aimait, les aimait Moins. un peu moins que Jean? Non, ce n'est pas ça. Mais il y a des émotions, des sentiments que, voilà. Dans ce groupe de 12 personnes, eh ben, il y a des émotions, il y a des sentiments de rivalité, de jalousie peut-être, même d'égoïsme, même voilà, d'ego, de vouloir s'accaparer tout. Enfin, je pense que dans le langage familial, on dit ça, d'être le centre du monde. Être le centre du monde. Et je pense que ce sont les émotions qui planaient en tout cas au sein des 12. Maintenant, ta question, Georges, c'est quelles étaient les émotions et sentiments de Jésus? J'aimerais lire les versets 25, hein? 25 et le 26, et le 27, même le 26, 27. Et voici ce que Jésus va dire. Moi, je vais lire du verset 24, mon frère. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Ça, c'est parmi les apôtres. Verset 25, Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Mais verset 26, qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Verset 27, pardon, car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui Qui sert? sait? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Ici, Jésus va venir eh ben, remettre dans l'ordre non seulement la compréhension, mais même la culture juive. La culture juive. Tout à fait. Parce qu'on parle du contexte ici, le maître, lui, il s'assoit, il ne fait rien. Qu'est-ce que nous voyons ici à la scène? Jésus a servi, en étant le maître de la cérémonie, Jésus a servi ses disciples. Et quel sentiment lorsque, en tant que maître, en tant que cérémonie, en tant que maître de cérémonie en tout cas, quel sentiment devrait avoir Jésus? Ici, je pense qu'en lisant ces versets 25, 26 et 27, je pense qu'ici nous voyons que Jésus est déçu. Jésus est déçu du comportement des 12 disciples. Pourquoi? Je disais au début que nous sommes arrivés à la fin du ministère de Jésus. Cela fait 3 ans et demi que les disciples ont passé du temps avec Jésus sans pour autant comprendre l'importance de tout ce que Jésus leur a appris. Et ici, Jésus va venir dire, ben, celui qui est plus grand, c'est celui qui sera plus petit. Celui qui gouverne, ça sera celui qui sert. Donc, il va venir mettre tout le monde au même niveau. Et ce même niveau-là, ben, je peux dire que ben, c'est l'humilité. Hein. Je pense que le contraire de ambitieux, je pense que c'est l'humilité ou il y a un autre Oui, mot. Hein. Je pense c'est que ça. voilà, l'humilité. Et Jésus va venir dire, ben, celui qui est plus grand, c'est celui qui est humble. Et je pense que les émotions ici que Jésus devait sentir,
Je pense que c'est de la déception, hein? Mmh. C'est de la déception. Et en tout cas, même jusqu'à sa résurrection, les disciples ne vont même pas le croire. Mmh. Jusqu'au point où, voilà. Maintenant, tenez mon Georges. Mmh. Et je Et tia ora te teipa, ora te teipa, e o me te teimo mana o me te e tūru. Ta tato i te o hona, i roto i te irawa piti aruma maha, tau e hin arot ore te o, ha? E maror a hoi te tupu, i roto i a rato, i tō rato, e hau, i te mana. Tēnā ora ta tato i rawa. O e pei te i hau a, o e pei te i hau a, i roto pū nā hoi ahuruma piti pipi. O e pei te i hau a, o e pei te mea fauf aroa a. Ya te yo na ta to te a amu ya te yo na ta to te ta hai a ta ye tu era wei ta na mo pipi te hin aro ra te mo pipi e fa te te yara to sho trara i lo to te a au to mo pipi te vera tra a au e hin aro ra tra pe hia ai tra hia ai ta ta to a pro mei ta ta to a pro ra te mo hanu tra hia ai e ha tra hia ai wa wa riro ane tra hia ai to ra to Not fa ateitei tō ratu fatu o ye tumetia, arera wariro tō tarahia ai, not fa ateitei no ia ratu. Tene te pahono arai ai a ye tu, te nā ora o ye tu, te tōti irau piti ahuruma pai, te tōti piti ahuruma hitu, te nā ora o ye tu e trat ata. O te ihou e, trai a tāta e te tāwini. Arera trat ata o te ihou e, o te merheiroa e ono. Te nā ora te parauna te atua e, traiat ata te whaheha. E propa e wau e te tae George. Te taopai. Hau atua e te hia ai. Te parau ia no whaheha ata. Te hinaroro i e tu parau e. Te tata hau atua e rutupu ia oto. Traiat ata a auheha ato tō tatu. Tenei, e te e tato tenei toa. Tō tato ane toa ratara huru te imhana. Meau, meau te hia ai a. Tūtū ore a te temo ohipa ane, e to ta tato mō wharehapir ane, e to ta tato mō tua tapapār ane, e to ta tato mō rawera ahipa, wahi rawera ahipa. Tene mea uro te emo mea, tarara. Wariro rā tara te emo mea, no te whaateite, no te whaahanahana tu tato atua, ia ie tu metia tu tato whaora, orera, no te whaahanahana no ia tato. Tene te veira, tēri te temo mō manao, O manao i hau tāu e wīra i te te me te tē, George. Maruru, maruru mai te oru mai tua, no te imo manao tāu e horo mai nā tātou ki pepei. Alors, pasteur, que pensez, alors, y a-t-il un remède, pardon, à l'envie de s'exalter soi-même, à l'envie d'être, de voilà, d'être, de cette ambition-là néfaste, hein, donc, te vera ne ho e ra'au. No te rapa au te iene mai rume tua. Merci beaucoup Georges pour cette question. Y a-t-il un remède puissant à l'envie de s'exalter soi-même? Et je pense que le manuel de l'école du sabbat répond à cette question. Lorsqu'on dit que le fait de rester concentré sur Jésus, sur la croix, devrait être le remède puissant contre le désir de s'exalter soi-même. Donc, lorsque quelqu'un qui est ambition, en tout cas ambition au point où ça va pencher du mauvais côté, au point où ça penche dans le sens où ça devient un péché, je pense que c'est une personne qui n'a pas encore compris qui est Jésus.
C'est une personne qui n'a pas encore compris la valeur de ce que Jésus a fait à la croix. Et je pense que que cette personne n'a pas compris tout simplement qui est Jésus. Donc, je pense que le remède puissant ici à cette ambition, en tout cas du mauvais côté, c'est Jésus lui-même. Lui-même. Depuis le début de la leçon de cette semaine, mon frère Georges, Jésus n'est pas venu pour apporter la paix, mais l'épée, la division dans les familles. Mais lorsque nous le mettons à la première place, eh bien, nous aurons la vie éternelle. Et hier, nous avons parlé de l'égoïsme. Je pense que le remède pour l'égoïsme, ben, c'est Jésus lui-même. À travers l'exemple de sa vie, d'ailleurs, nous avons beaucoup, beaucoup d'exemples qui contredisent l'égoïsme. Lorsqu'on parle de Jésus, lorsqu'on parle de Dieu lui-même, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Est-ce que Dieu était égoïste? Non, non, jusqu'au point de donner son seul et unique Fils, pour quoi faire? Pour que non pas un seul périsse, mais que tout le monde ait la vie éternelle. Donc nous voyons ici que même par rapport à l'ambition, eh bien, Jésus, à travers sa vie, d'ailleurs, c'est un passage que nous connaissons dans Philippiens 2, hein, donc, voilà, que Jésus a laissé son royaume, il est descendu sur terre, il est descendu s'humilier sur la terre, et quelle humiliation jusqu'à la mort, et quelle mort, la mort de la croix, une humiliation. Donc, Jésus a décidé de s'humilier devant l'être humain déchu et de porter nos fardeaux. Donc, si nous voulons ce remède par rapport à l'ambition, en tout cas du mauvais sens, l'ambition part du mauvais sens, c'est vraiment d'exalter et de comprendre au sens propre la croix et ce que Jésus a fait au calvaire. Très tétais, Georges, mais tu peux oui, y a ta oui, Et warino ye wo te tei te ye ata, ai tō mātou i te tua. Warino ye wo te tei ata, ai tō mātou i a ye tu. Warino o wo te tei ye ata, ai tō i te, ai tō i māra māra manoa, e hupa ta ye tu i rawe i te tatau. I te ho, i te amor a, i ta tatou hara, i ta une i hara, no te whaorar ai a. Me te pe warino o te tei ata, me te ye tūru te hia ai a, Ia tātou i hātēr. E te rau e an e tāu e i te tāu e hin āro rei. E hopoi atu no tātou pōrua, tātou pāat o te ipipi, o ie tū ia te ie rau e. Nānān e, onān e te nien he rapa au, te ie huru tō. Tēnei, wa i te me tātou e hāte rau ea, wa i te me tātou e tō te iputa e he te tiera, te teime ie a whanhoa, opua i te me rei, o rutifera, ha? Ta tātou i mātou mai, i te tei o te eputa. Te tei mei opua i te ie mer hei, i te orure ai tau, i ni ai te patirei o te atua. E hat e hupai tū. Wa tātara ro te atua i tōna i oa non i a mai te rei. Wa ti avaru ro te atua te ie mer hei, e paurot mo mer hei i ap e iana. Trāne to tātou hin aro, Ni te pe we hina aro tātou i a roa a tara hia ai tūtū ore mei to te im hei rei i rawe honei, mea mā, e ir a teie no tātou pātua no utu o te i pepe, i a nenhe to a iau, i a vai tāmau, i roto i a au hei hala. Tere i a teie o ne tātou te Filipi te pene piti, me pene pene tātou te teie o te i e mo i rawa, te i e mo i rawa te wha i tira te huru mau te i o ietu, te whaaru e raona te i e aur ai tōna, te pōr a mei ne raro nei, whaahe a raona i ana i mua i te tata, tata hara, hau atua, i hano e whaahe a, i hano e tawini, e pohoe,
amor aita tato mohara i te ipu. I poro i awo, hapi anō tato te ipu. Ia nen he rututo tato mora a noatum te aripure pura tato. Te tumo tumo aripure pura traia. Wa iro te teo teo, wa iro toa tra a au e waurei, wa iro a te mo te mo hupa haere iri ta tato e nen he e aparo i te ipu. Me te paura, te hinarora tato tra hau, tra ar ino te hau tato tato rana, e o tato e ahu toa tona i tona hu. Tra ar i te te momo no te ajos, no tato i te ipu, maru. Maruru, maruru mai te urume tua no te imo mono ta oe na ta toi te pepe. Alors, c'était aussi la dernière pensée que nous avons de pasteur, hein, accueilli de pasteur. Alors, je vous invite, avant qu'on se quitte ce matin, donc, c'est de réfléchir à cette permanence de la grâce de Dieu. Bien sûr, nous sommes pécheurs, nous sommes nés dans le péché et... voilà, c'est que le Seigneur, le remède, c'est le Seigneur, hein, pour que nous ne soyons pas orgueilleux, que soyons pas ambitieux, que nous, voilà, en écrasant les autres, eh bien, nous avons aussi cette possibilité de demander, de même si nous n'avons pas beaucoup de foi, je pense à ce Père qui demande à Jésus, viens au secours de mon incrédulité, viens au secours donc de mon manque de foi. Bien, si nous manquons de foi, demandons à l'Éternel, eh bien, cette permanence de la grâce en tous les cas, eh bien, je vous invite à l'accueillir. Dans vos vies, je vous invite à l'accueillir, ce Jésus qui nous gracie de nos péchés, un péché confessé, un péché pardonné. Eh bien, c'est avec ces mots que je vous dis donc au revoir. On se reverra demain en direct. Et en attendant, donc, je demanderai à notre pasteur Herhia de bien vouloir nous unir dans la prière. Merci, pasteur. Oui, Seigneur, notre Dieu, encore une fois, nous voudrions, Seigneur, te demander premièrement pardon. Pardon, Seigneur, si nous avons été ambitieux. Ambitieux, Seigneur, dans le sens, dans le mauvais sens en tout cas, et dans le sens où, Seigneur, nous ne pensions qu'à nous élever nous-mêmes, qu'à nous glorifier nous-mêmes, et nous voulons te dire pardon. Et Seigneur, certainement que dans ta parole, il y a des exemples, Seigneur, qui ont été cités par rapport à l'ambition. Quand nous pensons, Seigneur, à l'histoire de Lucifer dans Ézéchiel, et Seigneur, nous voulons aussi, Seigneur, te demander pardon, si ça a été notre cas, Seigneur. Et si toutefois, Seigneur, nous avons négligé de te mettre, de t'introduire dans tous nos plans, dans tous nos projets, Seigneur, pardonne-nous, Père. Pardonne-nous aussi d'avoir été égoïste, et pardonne-nous, Seigneur, d'avoir, avec toutes ces racines, Seigneur, qui nous permet d'être troublés, Seigneur, dans ce monde, pardonne-nous, Seigneur. Et Seigneur, nous venons de voir que, Seigneur, le remède n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Et Seigneur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ que nous aimerions, Seigneur, partager partout autour de nous. Et même, Seigneur, à travers, Seigneur, l'étude de l'école du sabbat. Et Seigneur, que tu puisses bénir nos amis auditeurs, auditrices, et tous ceux qui nous suivent, Seigneur, sur les différentes plateformes. Que tu puisses nous baptiser, Seigneur, et nous transformer selon ta volonté, pour que nous puissions, Seigneur, refléter ton caractère et t'attendre pour que nous puissions rentrer à la maison. Seigneur, voici ma prière en ce moment. À toi revient l'honneur, la puissance et la gloire. Et c'est en Jésus, notre Sauveur bien-aimé, que nous t'adressons cette prière. Amen.